Frère, c'est sûr, bonjour, nous disons Dieu merci pour grâce li, l'amour li envers nous. Nous devons nous lever, c'est pas bon, nous bon, mais c'est grâce que bon Dieu fait. Donc, on dit que nous parlons méditer sur, oui, la parole de Dieu, mais histoire ça, que nous parlons toucher à l'étranger, c'est vraiment important. L'amour de pourquoi prêter nous attention, parce que l'histoire ça vraiment important. C'est l'histoire de l'eau et sa famille. Avant que nous continuions à nous prier, notre Père, notre Dieu, merci pour grâce. Il dit, n'a pas volonté, transformez nos voix et conduisez-nous, Seigneur Dieu. Inspirez-nous et aidez tout le monde qui va écouter le message. Ça, Seigneur Dieu, nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Oui, chers frères et sœurs, nous venons parler de l'histoire de l'eau et sa famille. Et c'est une histoire qui est vraiment importante pour nous entendre ça, pour que nous connaissions qui ça pour nous faire et qui erreur pour que nous soyons capables d'éviter. Okay? Parce que tant ça, c'est un temps qui est vraiment précieux, nous supposons connaître qui ça pour nous fait. Il parlait de un monsieur dans Genèse 11, verset 26, etc. Il dit que il est âgé de 70 ans et il a engendré Abraham, Nahor et Haran. Dans verset 27, là, côté que une petite monsieur ça, une petite Lio, ok, une petite Lio qui c'est Haran, t'as pas engendrer l'eau et c'est dans la famille ça même que l'eau n'a pas l'air li sorti et papa l'eau t'a pas mourir qui c'est Aaron papa l'eau t'a pas mourir t'a pas rester Abraham avec d'accord ok qui c'est deux frères qui c'est deux frères papa l'eau t'a pas mourir cher frère et sœur. Et nous parlons de l'eau nous parlons de c'est une capable dit c'est un serviteur de l'Éternel, c'est un serviteur bon Dieu qu'il était puisque il était habité avec Abraham qui c'est tonton lui et il était vivant ensemble il était ensemble en tant que tonton et en tant que famille en tant que frère surtout en Christ mais venez voir le que nous regardons dans Genèse 13 verset 1 pendant que Abraham qui retournait d'Égypte dit que Abraham remonta d'Égypte. Genèse 13, verset 1 dit que Abraham qui remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Nous, Abraham est retourné. Ou est-ce que Abraham vient vraiment riche? Il a expliqué là, Abraham était vraiment riche. Abraham qui s'est tonton l'eau, ok? Abraham vraiment riche. Abraham qui s'est quitté frère Aaron. Et d'accord, nous, que Aaron mourit, papa l'eau mourit. Et c'est Abraham, nous, qui vraiment a vécu avec l'eau, mais Abraham, t'es vraiment riche, frères et sœurs. Et il dit que Abraham, dans le verset 2, il dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et verset 3 dit que, dans Genèse 13, dit que, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Aï. Au lieu où était l'hôtel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'eau qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Écoutez bien, chers frères et sœurs. L'eau aussi, il était riche. Abraham était riche. L'eau était riche aussi. Mais venez pour un moment, côté que l'eau, pas de cas, vive. Bon côté Abraham, ça peut nous passer. Côté que monsieur gagne tout bien ça yo, mais vinn gagne querelle là que nous lisons verset 7 là dit que il y a querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de l'eau. Mais Abraham qui c'est un homme qui est vraiment sage qui gagne la crainte de l'Éternel, il pas de dans discussion avec neveu lui. Il pas voulait pour que ça vienne un problème il voulait intérêt ça nous est jeune jeudi qu'a craser en pile famille intérêt qu'est-ce qui est plus scope soit 40 yo que ça fait plus gros job et qui est-ce qui gagne un plus gros travail nous comprendre c'est qui c'est ça qu'a craser en pile famille qui fait que famille yo pas qu'à avancer mais nous est que les hommes tout nous est nous est des gagne monde qui a tué monde pour place et tout dans pouvoir et notre travail yo rayon moun mais Abraham pa vle entre dans bagay sa yo. Ki sa Abraham pa di lo? Dans Genèse 3 13 verset 8 il dit que Abraham dit à l'eau qu'il n'y a point je te prie de dispute entre moi et toi.
ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Non seulement Abraham, c'est tonton Lot, mais je suis frère en Christ, chers frères et sœurs. Il dit que tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est par toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est pas non, contre Abraham y a avec Lot, mais c'est pour éviter discussion. C'est ça que ça gestue. C'est pour éviter discussion. OK? C'est ça Abraham t'a dit Lot, chers frères et sœurs. Qui ça Lot fait? Verset 10 là, il dit que Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à ça, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui, ça l'a fait, toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et verset 12 dit que Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Chers frères et sœurs, Lot habitait côté qui pi belle, jusqu'à ou la parle de la plaine, côté que qui était vraiment et vraiment fertile. C'est là que Lot habitait. Ça veut dire que Lot pas mandé Abraham choisi pour moi. Parce que Abraham t'es plus riche que Lot. Abraham t'es capable de dire et t'es gain toi t'es capable de dire Lot mais ça pour le faire parce que c'est tout ton nié. Et Lot te connaît bon Dieu t'a marché et Abraham t'a marché avec bon Dieu. Et mes chers frères et sœurs, Lot t'es capable de dire Abraham choisi qui côté penser t'a dû aller mais Lot fait choix pâle. Et choix Lot fait chers frères et sœurs. L'eau, pas tellement de bon Dieu, mais l'eau seulement choisi. Et son exemple pour nous-mêmes. Nous avons à vivre là pour nous faire n'importe choix. Surtout, côté n'a habité, chers frères et sœurs. Côté n'a habité. Parce qu'il y a une grosse conséquence sur la vie nous et la vie famille nous. Puis, on nous continue toujours. Patriarche et prophète, page 113, paragraphe 1. On va lire pour nous. Qui va expliquer nous. Bah non plus de détails toujours sur l'histoire ça. Il dit que la séparation consommée. Abraham, nous connaissons avant que c'était Abraham, après qu'il parle Abraham. Abraham reçut à nouveau la promesse qui lui assurait la possession de tout le pays. Nous, ça c'est juste après l'offre déplacée. Bon Dieu. Dit Abraham, il n'a pas besoin de père, il va le pays. Nous songeons que bon Dieu retourne, il parle avec Abraham, il dit, il fait Abraham promesse ça que pays a pour lui. Ça veut dire que Abraham, tout pays a pour Abraham. Abraham, tu as dit, prospérité Abraham, tu as dit, l'eau, Pavlo, fais ça, c'est pour mon pays, ça, puis prospérité, non, il dit, l'eau choisi. Ok, il dit, l'eau choisi. Peu après, il allait établir son camp à Hébron, aux chaînes de Mamré, il dit que où il habita, où il bâtit un hôtel à l'Éternel, laissant à Lot le luxe périlleux, ok, le luxe périlleux de la, le luxe périlleux de la vallée de Sodome. Il put jouir ici de la vie simple et patriarcale qui était la sienne. Il respira l'air par des hauts plateaux. Entouré de collines couvertes de vignes, d'oliviers, de champs de blé et de vastes pâturages. Le patriarche entretenait des relations cordiales avec ses voisins et jouissait parmi les peuplades environnantes de la considération due à un chef sage et puissant. Ça, c'est choix Abraham fait et nous exigeons que ça a été bon pour lui parce qu'il était marché dans la volonté. Bon Dieu. Il était vivant une vie qui est simple, chers frères et sœurs. Sa vie et son caractère qui formaient un contraste frappant avec les mœurs des idolâtres exerçaient une influence décisive en faveur de la vraie foi. Écoutez bien, chers frères et sœurs. Son invariable fidélité envers son Dieu, fidélité, elle n'a pas changé, chers frères et sœurs, envers mon Dieu, peu importe ces circonstances-là.
son affabilité, sa bienfaisance et sa noble simplicité, un chrétien doit simple. Lui était rendu en confiance, en amitié, en respect et en honneur. Nous voyons gens que moun te respecté Abraham, chef frères et sœurs. Abraham, chef frères et sœurs. On nous garde pour l'eau, décision l'eau prend. On garde bien. Il dit que l'eau qui devait sa prospérité à Abraham ne montra aucune gratitude envers son bienfaiteur. Pas oublier, c'est Abraham tétral dans la guerre. Abraham t'a remporté la victoire. Nous et que Abraham, l'eau, surtout en bas et de cap d'autorité Abraham, parce que c'est autant nié, il n'a pas montré vraiment une pièce gratitude envers Abraham. Ok? Il dit que la cour choisie lui ordonné de laisser le choix à son oncle. Il était qu'à quitter Abraham choisi pour lui, chers frères et sœurs. Mais il saisit égoïstement l'occasion qui lui était offerte pour en tirer tous les avantages. Ok? Levant les yeux, il vit toute la plaine du Jourdain jusqu'à Sol, dit que entièrement arrosée comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. La région la plus fertile de toute la Palestine était la vallée du Jourdain qui rappelait le paradis perdu et égalait en beauté et en fertilité les plaines du Nil qu'il venait de quitter. L'eau choisit côté qui pi belle là, côté qui pi fertile là. L'eau t'es ambitieux, lui ouais que côté qui pi fertile là, li fertile, li choisit le chef frères et sœurs. Li pas quitter bon Dieu choisi pour lui. On y voyait en nous des villes riches et magnifiques, c'est ça que l'eau t'es choisi. Dont les marchés fameux assuraient un fructueux trafic. Ébloui par des rêve de prospérité mondaine. Ha! C'est rêve ça yo oui l'autre gagne. C'est ambition ça yo oui l'autre gagne. Ça fait me dit faut nous prendre exemple dans ton vivre là qui côté nous voulons habiter dans ville pour que nous capable comme si gros docteur, gros avocat, plein l'argent, gè machine tout bagaille ou bien est-ce que son côté qui paisible ou c'est son côté qui a la campagne pour que nous capables toujours kembe simplicité nous fidélité nous envers bon Dieu. On nous continue toujours. Il dit que ébloui par des rêves de prospérité mondaine, l'eau ne tait aucun compte des dangers de ce voisinage au point de vue moral et spirituel. Que les côtes vont habiter ou pas poser question, ou pas chercher qui parle ma raison comme si qui ça que on était fait avant. Histoire qui passe dans zone là ou pas on est calé comme ça ou pas connait qui sa voisinage ou pas connait rien mais c'est à profiter tableau et pour commencer ouais persécution à venir qu'on pas supposé rester là chers frères et sœurs. Il continue, je dis que soit qu'il ignora que les habitants de la plaine étaient pervertis et de grands pécheurs contre l'Éternel, soit qu'il n'y ajouta que peu d'importance, il choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Comme il prévoyait peu les terribles conséquences de ce choix égoïste, ça me sort dit nous là, chers frères et sœurs, en tant que famille, nous-mêmes, chers frères et sœurs, nous supposons qu'on est qui côté n'a pas habité. Qui côté n'a pas habité. Qui choix n'a fait, il faut que c'est bon Dieu même qui dit nous pour nous faire, chers frères et sœurs. Ou pas qu'à habiter n'importe côté. Ou pas qu'à entrer n'importe côté tout chrétien depuis que côté ça même notre travail l'école ben on côté pas habiter ou pas supposé faire sans qu'on parle de bon Dieu parce que gide côté aller yo cause qu'on transgresse la loi chaque jour parfois tout sous pas sous faire mes yeux on fait travail on travail et ben mais la mérité ou pas dire rien ou pas connaître sous transgresse la loi de Dieu parce que gide bakay moun yo a besoin des exigences que a fait ou Satan même qui inspire moun yo ou supposé konnen ki kote ou ap etabli fami ki kote ou ap rete l'autre fait erreur ça et ben nous même chers frères et sœurs nous de prendre exemple pour nous pas faire même erreur là les n'a pas habité pas dans ville qui riche pour nous ka faire l'argent pour nous ka gagne gros avocat gros docteur si moun yo capable devenir gros docteur gros avocat c'est pas non chers frères et sœurs
Mais pensez à la campagne. Apprendre la simplicité. Il y a un métier qui va utiliser dans la vie. Apprendre la simplicité. Il y a apprendre les gens pour planter. C'est ça, bon Dieu, voulait pour nous, chers frères et sœurs. Et nous, l'eau, fait un mauvais choix. Et nous, quoi, l'eau, puis devant. Et qui ça, choix ça, pour le porter pour la famille, l'eau. Nous disons merci aux mêmes qui t'ont écouté. Continuez étudier ensemble avec nous. Continuez étudier ensemble avec nous. Et si vous avez une question, vous êtes capable de poser nous après qu'on finisse des messages. Ça, nous continuons avec l'histoire. Et nous souhaitons que on va prendre exemple de ce que nous souhaitons parler pour que vous soyez capable de faire un bon choix dans la vie et la vie famille. Que bon Dieu bénisse nous. On nous prie. Notre Père, notre Dieu, merci pour grâce. Il en a fait volontaire. Merci parce que tu as utilisé nous. Fait que nous avons pris exemple de l'histoire ça pour que nous soyons capables de connaître qui gens, pour que nous soyons capables de marcher devant ce tournant, tant ça et qui décision pour nous prendre pour tête nous et pour famille nous. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen.